Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier numéro d'InnoConnect en live sur LinkedIn. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier live sur LinkedIn. Nous allons découvrir aujourd'hui pendant 1 heure 4 entreprises innovantes françaises qui se sont engagées en faveur du Made in France. Le Made in France, vous le savez, c'est le thème de cette première émission qui voit le jour grâce au soutien d'Aiming Innovation. Merci beaucoup. Et donc, j'ai le plaisir déjà d'accueillir Carole Henrion, qui est consultante innovation, qui va être avec moi durant toute cette heure pour nous partager son regard d'expert. Bonjour Carole. Bonjour Barbara. Alors, ce premier numéro, il va se dérouler en deux grands temps forts, de 20 minutes environ chacun. Le premier est plutôt sur le Made in France produits-services et le second plutôt sur le Made in France, mais orienté un peu plus innovation technologique, algorithmique même, je dirais. Donc, restez bien avec nous durant toutes ces heures. J'en profite pour vous inviter à poser toutes vos questions dans le chat, vos commentaires. Vous pouvez déjà m'indiquer si c'est tout est OK pour vous, est-ce que vous entendez bien, etc. Et puis, moi, je vous souhaite un bon moment pendant 1 heure avec moi. C'est parti pour cette première partie. Et ça y est, sans transition, on est reparti. Je vous présente mes deux invités donc, qui ont été sélectionnés. Vous savez, c'est cette première phase sur LinkedIn où tout le monde avait participé. Estefania González de Ubieta, qui est fondatrice de Lock & Roll. Bonjour Estefania. Bonjour Barbara. Et Jérôme Duchemin, qui est fondateur de Piu Piu et Merveille. Bonjour Jérôme. Bonjour Barbara. Vous êtes venu avec votre doudou aujourd'hui. Gaston, mon garde du corps. La mascotte. Bonjour à tous les deux. Pour commencer, un mot chacun pour présenter qui vous êtes et votre entreprise. Alors, moi, je suis la fondatrice de Lock & Roll, une société de location de meubles et déco pour des besoins temporaires d'ameublement. Et pourquoi, en fait, Lock & Roll? Parce que finalement, Barbara, la vie, elle est faite d'étapes. Donc, vous avez l'arrivée d'un premier enfant, d'un deuxième enfant, des mutations professionnelles. Et à chaque fois, on a besoin des meubles. Mais temporairement. Et aujourd'hui, il faut d'alternatives. On achète des meubles que finalement, on ne va pas vouloir garder et qu'au bout d'un moment, ils vont nous poser un problème d'ordre logistique. Voilà. Donc, nous, on apporte une solution pour ces besoins temporaires d'ameublement plus pratique et plus responsable. Donc, on loue ces meubles, on ne les achète plus. On est complètement là dans cette tendance de l'usage plutôt que la possession. Tout à fait. Merci Estefania. Et vous, Jérôme, alors? Rebonjour à toutes et tous. Jérôme Duchemin, je suis le président fondateur de Piu Piu et Merveille. C'est une marque pour les tout-petits. On a 3 grands axes de développement. On a un côté peluche, donc plutôt jouet. On a un côté décoration de chambre, tout ce qui va être petit mobilier. Et tout ce qui va être fauteuil, club. Et puis, on a une petite partie électronique aussi, où là, on fait des veilleuses, par exemple, ou des produits un peu originaux qui vont arriver sur le marché, comme Zipstream. Petit teasing. En tout cas, voilà, un monde de l'enfance, un monde que j'aime beaucoup pour certains qui m'ont suivi depuis des années sur d'autres projets. Merci en tout cas à tous les deux d'être là. Et Carole aussi, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous présenter également Aiming? Bien sûr. Alors, donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis consultante en financement de l'innovation, comme on l'a évoqué, donc chez Aiming. Donc, Aiming, c'est un cabinet de conseil qui est présent sur tout le territoire français dans 8 villes. Notamment, je peux citer Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse. Et donc, nous accompagnons les entreprises dans leur stratégie de performance et notamment pour qu'elles puissent bénéficier, en fait, de certains dispositifs dans leur financement de l'innovation. Par exemple, avec le Crédit Impôt Recherche. On va en reparler après. Crédit Impôt Innovation et aussi pour les subventions. Eh bien, merci. Merci à tous les trois et merci aussi vous qui êtes là sur ce premier live. Alors, première question, on rentre dans le vif du sujet. Le Made in France, comment chacun ça se traduit pour tous les deux?
Alors, deux aspects. Donc, déjà, nous, on n'est pas fabricant, donc on est une société des services. Et l'innovation que nous, on introduit, c'est une autre façon de consommer ces meubles-là. C'est-à-dire qu'en effet, dans les dernières décennies, on a vu un développement massif du monde de l'ameublement qui s'est manifesté par la fabrication en masse des meubles pas chers qui viennent principalement d'Asie. Alors, nous, on essaie de contrer un petit peu ces phénomènes-là. Les temps ont changé, hein, on a des préoccupations autres hein, qu'on ne connaissait pas avant, par effectivement passer par un mode d'usage où on va utiliser les meubles lorsqu'on a besoin. Après, on n'en a plus besoin, c'est quelqu'un d'autre qui s'en servira. Donc déjà, on réduit la consommation de manière générale. Sur les meubles que nous, on propose, je ne vais pas vous dire qu'ils sont tous made in France, ce n'est pas vrai parce que la filière de l'ameublement, elle est encore très dépendante des meubles qui viennent d'Asie, mais on essaie quand même de favoriser les enseignes qui mettent en valeur le made in France ou qui se lancent dans des initiatives d'économie circulaire. Et on achète aussi des meubles, par exemple la vieille commode de la grand-mère qui a été rétapée par un petit artisan. Ça fait travailler des petits artisans. Donc, ça, c'est l'axe produit. Après, il y a la partie service parce que nous, on fait une livraison, montage, c'est un service clé en main. Et donc, à chaque fois qu'on va servir un client, on va le faire à partir d'entrepôts locaux et de personnel local. Parce qu'il y a cette dimension aussi, c'est le fait de faire travailler sa communauté, donc en dehors du Made in France, du Made in dans la région en soi, hein, voyez, donc faire travailler les gens qui vivent, qui sont à côté de nos clients. Donc, on ne va pas faire, on ne va pas transporter des meubles de l'autre côté de la France, etc. Non, et c'est pour ça qu'on n'est pas présent partout en France, on est dans 23 départements, parce qu'à chaque fois, on a besoin quand même un point d'ancrage et pouvoir envoyer du personnel local. Donc, forcément… Ça se fait pas tout seul. Donc, du local, et enfin, du national et du local. Tout à fait. Alors, et vous, Jérôme, vous êtes fabricant? Alors, nous, oui, on est fabricant. Nous, la marque Pupille Merveille, donc elle a un peu plus de 10 ans. Et en fait, on a toujours voulu fabriquer localement. Donc, on a essayé de faire ça déjà dans les années 2011-2012. C'était pas possible. Par contre, quand on a créé un meuble qui s'appelle le Bersoli, qui était un meuble évolutif à 0,7 ans, on a eu le prix de l'innovation au salon Baby Cool en 2013. Ça remonte là, déjà. On se connaissait, je crois. Et on a réussi, entre guillemets, à fabriquer ce produit à La Rochelle donc à le vendre de La Rochelle directement. Après, ce qui s'est passé, c'est que sur la peluche, bah forcément avec le Covid, il y a eu des effets qu'on a tous connus, plus ou moins importants. En tout cas, il y en a eu un, c'est qu'il y a eu une augmentation très forte des coûts maritimes. Et le transport. Le fret maritime. Et on fabriquait évidemment tout en Asie. Et là, on a recréé, on a retravaillé une chaîne de valeur qui a permis de relocaliser en partie la fabrication en France. Des grandes peluches, hein ? Des grandes peluches. On y reviendra peut-être après, mais il y a effectivement des raisons économiques qui permettent que cette chaîne de valeur fonctionne. Et ça, on a pu le faire grâce à un partenaire qui s'appelle NP Création, qui est dans le centre Val-de-Loire. Et on a pu fabriquer en partie les produits là-bas. Donc, je suis assez d'accord avec Estefania. Le but du jeu, c'est de ramener tout ce qu'on peut en local. On va le développer après, mais en tout cas pour ramener à la fois du savoir-faire, à la fois de la valeur, pas seulement de la valeur financière, mais de la valeur travail. La valeur humaine, c'est des gens derrière. Qui sont derrière et qui travaillent sur ces produits-là. Et donc tout l'asset, enfin, tout le travail qu'on a aujourd'hui, c'est de relocaliser tout ce qu'on peut, avec quand même une énorme remarque, mais qu'on abordera après, que ça reste quand même des produits qui soient abordables pour nous en tant que consommateurs. Oui, donc c'est quand même, on cherche quand même l'équilibre entre une consommation et une production plus responsable, raisonnée, locale, mais à un moment, il faut que ça puisse rentrer dans le porte-monnaie des consommateurs. Tout à fait. Alors vous, Carole, est-ce que c'est un constat que vous faites sur les entreprises que vous accompagnez, ce parti pris du Made in France, est-ce que c'est justement quelque chose qui est de plus en plus revendiqué ou pas? Alors, oui, effectivement, je dirais que c'est quelque chose qui est en effet de plus en plus revendiqué. Déjà, quand on regarde un petit peu au niveau des sondages, il y a eu un sondage qui est paru en 2022 par donc Opinionway, et en fait, 58% des répondants exprimaient le fait que pour eux, c'était important d'acheter du Made in France. Donc, plus d'un consommateur sur deux. Voilà, parce qu'évidemment, ça permet du coup de soutenir l'emploi, le savoir-faire local, etc. Donc là, ça rejoint un petit peu ce qui a été évoqué. Donc, c'est important pour les gens, même si après, évidemment, il peut y avoir une problématique économique. Ce qu'on a observé, ça va rejoindre ce que disait Jérôme, c'est qu'au moment en fait du Covid, l'État français, le gouvernement français a vraiment mis, j'allais dire, des moyens pour justement pouvoir relocaliser une partie de la production en France. Donc, il y a eu justement France Relance. Il y a aussi eu un appel à projet du coup sur la relocalisation dans les secteurs critiques qui a permis de financer 600 projets en un an.
Donc voilà. D'accord. C'est massif. On a observé ce premier effet-là. Et maintenant, puisqu'il y a quand même eu plusieurs années qui se sont écoulées, et ben du coup, c'est plutôt au niveau régional qu'il faut se tourner. Donc il faut pas hésiter en fait à aller solliciter donc les conseils régionaux, et les aides vont être du coup plus locales, et c'est comme ça que les entreprises vont pouvoir en bénéficier. Je voulais également faire un petit peu de publicité pour la grande exposition du fabriqué en France qui va avoir lieu du coup, normalement c'est la deuxième édition à la fin du mois de juin, et on peut s'inscrire jusqu'au 1er avril. Allez, on est dans le Made in France, donc on s'inscrit. Et Stéphania, vous, est-ce que vous avez reçu justement du soutien humain financier de la part de l'État, de la part des collectivités? Enfin, quel soutien vous avez pu avoir dans votre aventure entrepreneuriale? Alors, moi déjà, j'ai lancé ma société. 3 semaines après, on était tous confinés. Hein. Donc, ah mince. Le timing, il y a mieux. Donc, 2020. Il a fallu un peu changer la feuille de route. Oui, j'ai pu bénéficier effectivement de certaines aides de l'État. Après aussi, j'ai bénéficié d'autres aides. Donc, je me suis présentée à plusieurs concours. Donc, j'ai été lauréate de 2 concours de création d'entreprise, le concours régional de création d'entreprise d'Île-de-France et Graines de Boss en 2022. Donc, ça m'a apporté déjà une notoriété aussi. J'étais lauréate aussi du réseau Entreprendre Val-d'Oise, qui m'a apporté déjà un soutien financier, mais aussi un soutien de type méthodologique, voire humain. Hein. Et donc, je pense que c'est important lorsqu'on lance une société, de tout type d'ailleurs, de se faire entourer. Et de ne pas rester seul. Voilà, de ne pas rester seul et d'aller chercher en fait ces aides qui existent, que ce soit d'un point de vue méthodologique, soutien ou même financier. Vous, Jérôme, est-ce que ce soutien, il est venu plutôt du côté humain ou c'est plutôt c'est s'entourer justement de bons partenaires? Je crois que c'est plus dans ce sens-là. Excellente question. Merci. Non, on n'a pas eu de soutien financier parce que je pense que c'est... pour chaque entrepreneur là qui est autour de la table et entrepreneuse, c'est quelque chose de très personnel. Donc ça fait écho à des convictions. Si on veut fabriquer en France, faut quand même être très convaincu de cette nécessité. Et faut pas forcément, en tout cas dans la partie industrielle, faire la chasse aux aides, même si elles existent. Ce qu'il faut, c'est surtout avoir un bon partenaire. Donc ça a été le premier sujet. Nous, on a eu la chance de le trouver. Vous, sur la volonté, en fait, hein, de relocaliser, oui. Ça a été clé, justement, ce choix de trouver le bon partenaire. Ça a été, une rencontre qui, on se connaissait déjà d'avant, mais une rencontre de 2 personnes. Donc, le patron de Divine et puis le patron de la marque Pupier Merveille pour s'unir et faire bénéficier chacun de nos savoir-faire pour pouvoir fabriquer en France. Donc un gros soutien de la part de l'industriel, y compris financier, hein, parce que c'est lui qui achète les matières, par exemple. Donc ouais, ça se joue à plusieurs là. Voilà, donc il est là évidemment, pas que sur la partie fabrication. Et après, je dirais que c'est un peu des aventures qui deviennent collectives parce que y a les équipes en interne qui croient beaucoup beaucoup dans les projets. Et puis après, vous avez des clients qui vous suivent. Je ne sais pas si je peux les citer, mais il y en a quand même 2. On ne va pas faire non plus trop de pubs. On ne va pas le faire, mais ils savent qui ils sont. Et c'est eux qui, en fait, permettent de démarrer ces fabrications, parce qu'il faut bien, à un moment donné, des commandes. Hein, des commandes. Quand on est industriel, si on n'a pas de commandes, on peut toujours faire du Made in France, ça va être assez compliqué. Et puis ensuite, on a eu les réseaux. Donc des réseaux, des influenceuses qui ont aimé le produit, puis après c'est arrivé aux consommateurs, consommatrices qui ont vraiment apprécié ce produit. Donc je dirais voilà, on n'a pas forcément eu d'aide financière ou de on n'a pas été lauréat de concours, mais en tout cas après on a eu tout un tas de réseaux qui de mobilisation collective. Mobilisation collective qui a fait que ce projet, il est devenu non pas un projet, mais qui devient aujourd'hui une réalité. Oui, parce que chacun, vous avez quand même un enjeu de notoriété, de faire connaître. Vous et Stéphania, quand on a échangé un peu en amont, c'est, on m'a dit, moi, Barbara, on n'a pas le réflexe de dire, tiens, je vais louer. Forcément, on ne sait pas. Cupio aussi, peut-être que potentiellement, on ne connaît pas encore la marque. Donc, comment est-ce que vous faites pour pallier un peu ce manque de notoriété? Est-ce que ça se travaille dans le temps? Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a des petits tips, des petits conseils? Alors, c'est sûr que c'est... Alors, je pense que toute entreprise est là des enjeux de se faire connaître. Quand on est en plus une société innovante qui propose quelque chose qui n'existe pas, c'est encore plus un enjeu parce qu'il faut déjà expliquer qui on est, mais expliquer aussi à quoi ça sert et faire un peu de pédagogie. Donc, c'est compliqué. Alors, moi, je me suis servie des réseaux sociaux dans la mesure du possible. Et après, j'ai eu quand même la chance aussi d'avoir été pas mal sollicitée par la presse, que ce soit au niveau de la télé ou de la presse écrite, ce qui m'a permis quand même de présenter, en fait, de donner une vitrine à ma société. Si je n'avais pas eu ça, je pense que ça aurait été plus lent aussi pour moi, le développement.
Jérôme, vous avez dit influenceur, presse peut-être aussi. Ouais, c'est très similaire. De toute façon, on a le même profil hein. En termes de TPE. On n'a pas des budgets marketing à 8 ans. Donc nous, ce qu'on a fait, on a été un peu originaux, je pense, sur le marché pur du jouet. C'est qu'on a fait notre site internet vitrine en 2011. Donc, ça n'était vraiment les dinosaures à l'époque. Et après, on a vendu dès 2013. On a toujours eu ça. Pour nous, ça fait partie de la notoriété de la marque Piu Piu et Merveille. Ensuite, on a développé très rapidement Facebook, Instagram. On a pratiquement une communauté de 20 000 personnes. Et après, quand on a passé sur Made in France, là, on s'est fait accompagner parce que clairement, en termes de visibilité, ça devenait compliqué pour nous. Je vais le citer quand même, Franck & Partners. Bonjour Franck, qu'on connaît bien aussi. Et ils nous ont permis par leur réseau d'accéder à la télé. On a eu pas mal de journaux télévisés, je crois qu'on les a à peu près tous faits. On a eu aussi de la presse, qui n'est pas évidente pour des petites sociétés comme nous. Et on a eu de la radio. Donc clairement, en termes de notoriété, on a vraiment... Mais là encore, je pense que c'est important de noter qu'il faut s'entourer effectivement, soutien financier, on va y revenir, mais soutien aussi aller chercher les bons experts. C'est-à-dire que si on a besoin d'un moment de relation presse, c'est un budget, mais c'est aussi nécessaire sur peut-être des compétences très spécifiques. Typiquement, le Made in France, le green, on sait que c'est important pas de se faire accuser, entre guillemets, de greenwashing ou d'avoir un discours juste. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de s'entourer d'experts. Merci, Jérôme. Vous, du coup, est-ce qu'il y a eu cette importance, on voit aussi ce qui émerge, cette importance d'avoir de l'impact. On est du Made in France, mais ce n'est pas forcément pour estampiller Made in France, c'est aussi pour avoir un impact derrière. Vous l'avez dit, Jérôme, humain, social, est-ce que c'est important pour vous ? Pour moi, c'était important. Donc déjà, quand j'ai voulu créer une société, j'avais envie de créer une société qui apporte quelque chose à la société. Je pense qu'en fait, les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans. Voilà, il n'y a pas que du financier. Et donc, c'était important pour moi. Et donc, cette idée de Lock & Roll, je l'avais déjà dans la tête et c'était parfait parce qu'effectivement, ça permettait d'apporter une valeur en apportant une autre façon de consommer ces meubles-là et de rallonger leur durée de vie. Donc, c'est parfait. C'est complètement dans le business. Mmh. Jérôme ? C'est quoi la question ? Non, pour nous, il y a trois choses. J'essaie de faire un peu d'humour, mais ça ne marche pas. Donc en fait, on a trois dimensions. On a l'impact social, c'est-à-dire que nous, on veut faire travailler des gens. Ça a toujours été ce qu'on a eu dans notre tête. Combien de personnes ? Une dizaine là aux usines ? Là, voilà, c'est ça. Sur pratiquement 6 mois, on a à peu près une dizaine de personnes qui travaillent sur cet atelier-là, sur ce savoir-faire spécifique. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Il y a évidemment un impact environnemental. Je vais dire évidemment, mais je pense qu'il n'y a pas que la RSE, c'est-à-dire que quel est l'intérêt d'amener des containers vides du bout du monde, où il en faut 20 ou 30, quand vous avez des peluches comme Gaston, qui fait 1m50, vous en mettez 200 dans un conteneur, alors que quand vous emmenez seulement la matière, vous allez pouvoir faire 20 000 pièces. Donc ça, c'est aussi vraiment important. Une économie d'échelle. En tout cas, il y a une vraie rationalisation des coûts et puis de l'empreinte carbone. Et en plus, on l'a fini, comme vous, sur le fait que on va livrer de l'usine qui est en centre Val-de-Loire. Donc, si on livre Laval, Paris ou Bordeaux, c'est à côté. Donc, on livre pas d'un entrepôt pan-européen qui est situé à Londres ou aux Pays-Bas. Donc, on raccourcit les distances et donc on fait attention à la consommation d'énergie qu'on a à ce moment-là. Et ça, c'est ce triple impact qu'on a là. Et qui est fondamental dans ce qu'on fait. Et je rejoins Stéphanie. Dans les deux business, c'est vraiment le cœur de vos activités. Dans cette aventure, il y a aussi le côté humain et quel est notre rôle sociétal. C'est ça qui est important aussi. Stéphanie, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, juste quelque chose, parce qu'effectivement, donc je ne vous l'ai pas dit, mais nous, quand les meubles arrivent à la fin de leur vie utile, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus les louer, ils partent en ressourcerie. Donc, en fait, on va aussi jusqu'au bout du cycle. Ils sont recyclés, convertis en copeaux de bois, etc. Et là, depuis récemment aussi, j'ai lancé une initiative de vente en ligne de meubles d'occasion. Parce qu'il y a des meubles qui dorment à l'entrepôt, il n'y a personne qui s'en sert, alors qu'ils peuvent très bien servir à quelqu'un. Vous voyez, donc voilà, il y a quand même plein de façons de faire pour s'engager en faveur de l'humain et que ça soit du vivant, en fait, hein, souvent dit vivant, humain et planète. Alors, une dernière question, Carole, vous, est-ce que vous constatez aussi cette volonté d'être dans le Made in France, mais aussi d'être une entreprise à impact, d'avoir du sens dans ce qu'on entreprend ?
Alors, en effet, on le constate à notre niveau, puisque maintenant, bah, donc, les critères qu'on vient justement très bien de citer, hein, environnementaux, sociaux et de gouvernance, ça va vraiment être donc, des piliers de la stratégie RSE des entreprises. Donc, évidemment, là, tout le monde est en train de parler de ça en ce moment. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fin d'année dernière, on a lancé justement une offre dédiée pour accompagner les entreprises dans cette transition, pour justement qu'elles puissent atteindre leurs objectifs et qu'elles puissent du coup répondre à ces nouvelles exigences. Eh bien, merci. Merci à tous les trois. Peut-être que vous avez un mot de conclusion avant qu'on passe sur cette seconde partie déjà. Et peut-être quelques questions s'il y en a. Bah, déjà, vous remercier, Barbara, de nous avoir invités. Merci. Et, voilà. Bah, merci. Non, bah, juste continuer. Nous, on a quelques projets encore pour continuer à faire du Made in France. On va sans doute revenir à nos premiers amours au tout petit, donc à la périculture. Et continuer de développer autant de produits que possible et toujours être dans cette logique-là. On peut faire des choses ensemble peut-être. Hein. Allez, c'est ça l'aventure entrepreneuriale. C'est toujours itérer, avoir de nouvelles idées business pour continuer effectivement maintenant quand même de façon éthique et en conscience. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Barbara, merci à vous toutes et tous. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Je ne crois pas pour l'instant. Mon fils s'appelle Gaston en plus. Alors, bon, on vous entend quand même. Hein. C'est du live, voilà, c'est chose promis, chose faite. Eh bien, écoutez, voilà, pas de questions, donc c'est que c'est assez clair. On continue sur cette deuxième partie où là, on va parler de Made in France, mais sur un prisme innovation technologique. Et on se retrouve pour ce deuxième temps fort, donc toujours spécial Made in France, mais dédié cette fois-ci à l'innovation, où j'ai le plaisir eh bien, de recevoir deux nouvelles entreprises sélectionnées, toujours eh bien, via ce filtre hein, sur LinkedIn où on vous avait demandé de postuler. J'ai le plaisir de recevoir Thomas Père-Blanquès, qui est cofondateur et CEO de Clinéo. Bonjour Thomas. Et Alexandre Souillet, qui est président d'Olfeo. Bonjour Barbara. Alors, bah, même exercice, hein, je vais vous demander à chacun de vous présenter qui vous êtes et quelle est votre entreprise que vous avez fondée là pour le coup chacun ? Bonjour Barbara, donc Thomas Père-Blanc, en effet CEO de Clinéo, que j'ai cofondé avec deux autres personnes, un médecin oncologue et un ingénieur en intelligence artificielle. Et donc concrètement, Clinéo, notre mission, c'est de permettre à tous les patients d'accéder aux innovations thérapeutiques, donc aux nouveaux traitements. Et ces nouveaux traitements, on les trouve dans le cadre d'essais cliniques. On commence par le domaine de l'oncologie, la cancérologie, parce que dans ce domaine-là, il y a moins de 5% des patients qui ont accès à ces essais cliniques, alors que 70% se disent prêts à le faire. Et donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est construire une plateforme avec des algorithmes qui permet de trouver facilement et rapidement les essais cliniques qui sont pertinents pour des patients. Et donc, on commence par la France également. On a lancé la plateforme il y a un an. Maintenant, on est une dizaine. Et le but, vraiment, c'est de construire cette plateforme avec des compétences françaises. Et on y reviendra un petit peu après. Un petit peu après. Juste une question pour bien comprendre ce parcours patient, là, du coup. Est-ce que, justement, il y a cet enjeu aussi de... Est-ce qu'on pense forcément aux essais cliniques ou pas? Ou est-ce que ça vient souvent par un professionnel de santé? Comment c'est amené? Oui, tout à fait. Alors, le profil type, on va dire, de patients, c'est des patients qui ont essayé des traitements standards et qui, malheureusement, n'ont pas marché. Et donc, à ce moment-là, avec l'aide de son oncologue, on va essayer de regarder les autres types de traitements qui existent, novateurs. C'est là, en général, qu'on va regarder les essais cliniques. Ça peut également se passer pour des patients qui, dès le début, malheureusement, dès le diagnostic, on sait que les traitements qui existent actuellement ne sont pas très performants. Ils sont sur un stade assez avancé de la maladie. Et on peut regarder donc, les essais cliniques à ce moment-là. En plus, je crois qu'aujourd'hui, c'est la journée de la lutte contre l'endométriose, je crois, il me semble. En effet. Alors c'est vrai. Mais c'est quand même des sujets qui touchent la femme. Alors c'est vrai que moi j'ai peut-être fait un raccourci sur le cancer du sein ou des choses comme ça, mais c'est important, je trouve, de sensibiliser sur des. D'accord. Donc voilà, c'est important de sensibiliser sur ces sujets. Merci beaucoup. Alors Alexandre, vous de votre côté, Olfeo. Alors Olfeo, c'est un éditeur de logiciels dans le domaine de la cyber. Donc domaine dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, effectivement. La cybersécurité. Cybersécurité, tout à fait. Donc effectivement, il y a de plus en plus d'attaques. Ces attaques sont de plus en plus agressives et elles mettent en péril aussi bien des entreprises privées que des administrations, au sens très large, donc des hôpitaux, des collectivités territoriales. Hein, il ne se passe pas une semaine sans que soit révélée une attaque réussie
Je crois qu'on est combien, 30, 33 millions de Français où nos données ont fuité depuis la sécurité sociale ou quelque chose comme ça, non? Oui, tout à fait. Il y a Pôle emploi, enfin, il y a plein de... Bon, d'hôpitaux, c'est vrai que les hôpitaux sont particulièrement ciblés, d'ailleurs, de façon particulièrement abjecte, hein, puisque les hackers qui réclament des rançons se disent que, comme l'impact, là, on parle carrément de vie ou de mort sur les patients, est tellement fort, donc ils auront... une probabilité de récupérer des rançons de façon plus facile. Voilà. Donc, il y a effectivement... Donc, on est sans morale, là. On est sans morale, ouais. Donc, il y a un taux de succès de ces attaques qui augmente. Et la vocation d'Olfeo, bah, c'est de défendre ses clients, donc qui sont à la fois des entreprises publiques et privées, contre des attaques cyber. Et nous, on est spécialisé des attaques qui proviennent du web, sachant que le web est le vecteur de transmission des attaques le plus important. Et qu'il est particulièrement difficile à protéger parce que bah, y a des volumes d'URL de domaines extrêmement importants. Et en plus, c'est un média qui est en temps réel. Donc, on a un temps extrêmement limité pour. Et oui, les fameuses attaques 0D, non, ça en fait partie. Oui, c'est pas tout à fait ça, mais bon. C'est ok, bon. Moi, on m'a dit que les attaques 0D étaient de plus en plus fréquentes et que ça laissait pas forcément. Ouais, c'est un type d'attaque qui est très difficile puisque ce sont des attaques. Inconnus ou qui viennent d'être révélés. Donc, les protections sont encore pas forcément au point. Mais j'en parlais tout à l'heure, justement, nous, on a des solutions pour aussi bloquer ces attaques. Alors, est-ce que justement, 2024, c'est quand même une année aussi particulière, non? Avec les JO, la France, je crois, est la cible de potentiellement un peu toutes les attaques ou toutes les arnaques. Bah, toutes les grandes opérations, il y avait les Coupes du Monde de rugby, enfin, toutes ces activités françaises, européennes, internationales. Évidemment, génère des escroqueries à chaque fois nouvelles. Donc oui, on s'attend à une vague d'attaques. Mais même sans ça, comme je vous dis, le taux d'attaque, le nombre d'attaques a explosé depuis le Covid, et puis le taux de succès surtout, ce qui est préoccupant, augmente aussi. La démocratisation aussi des outils comme l'IA, peut-être qui démocratise un peu ou pas? Alors bah, l'IA, elle est utilisée par les hackers, mais elle est aussi utilisée par les gens qui défendent. Donc, et oui. Voilà, donc c'est un outil supplémentaire pour les chacun attaquants et pour ceux qui se défendent. Alors, peut-être on va rentrer déjà sur le prisme innovation. Thomas, en quoi consiste-vous votre innovation? Ouais, alors, il y a déjà une innovation technologique où, comme je disais, on construit des algorithmes qui vont en fait structurer à la fois les données des essais cliniques, parce qu'il faut savoir que pour rentrer dans un essai clinique, il y a un certain nombre de critères à remplir. Et aujourd'hui, c'est du texte libre, de la donnée non structurée. Donc, nos algorithmes, déjà, vont structurer ces données-là pour comprendre quels sont les critères pour rentrer dans un essai. Et on fait pareil, en fait, avec les données des patients, avec leurs comptes rendus, etc. Pour c'est ensuite... ça, les comptes rendus médicaux, etc. Tout à fait, qui sont en général dictés par des médecins, etc. Là aussi, c'est de la donnée non structurée. Et oui. Donc, des deux côtés, on va structurer ces données-là pour pouvoir ensuite faire correspondre et faire matcher les patients avec les essais les plus pertinents et les plus proches de chez eux également en France. Donc ça, c'était la partie technologie, vraiment. Et ensuite, sur la partie produit, on a fait une interface qui est faite pour les médecins, où le but, c'est vraiment de trouver très rapidement un essai clinique, mais également pour les patients, et c'est ça ce qui est plus novateur, où on a travaillé avec des assos de patients, notamment les triplettes roses, les patients en réseau avec qui on a beaucoup travaillé. Sur le cancer du sein, là. Sur le cancer du sein, exactement. Pour être sûr que la plateforme soit utilisable et compréhensible par des gens qui ne sont pas forcément experts, justement, dans ce domaine qui est quand même assez technique. Et sur un moment de vie aussi qui est particulier, non? Est-ce qu'il y a ce côté humain, empathie, enfin, qui est quand même important, je pense, sur des moments de vie, on en parlait, voilà, pas simple. Tout à fait, c'est vrai que c'est des périodes qui sont très difficiles. Mmh. C'est pour ça que quand on parle d'interface patient, on inclut également les proches de patients. Pour que, évidemment, si on a une fille, un frère, un oncle qui s'y connaît un petit peu et qui a un peu plus de temps, il puisse également utiliser la plateforme pour trouver un essai clinique pour un proche. D'accord, très, très clair. Alexandre, vous, quel est le concept, justement, l'innovation technologique chez Olfeo? Alors, on a plusieurs innovations. Je vais peut-être en mettre trois en évidence. La première, c'est ce qu'on appelle le zéro trust. Au fait... On a du zéro, là. Ouais, voilà, dites-moi. L'Internet, aujourd'hui, est devenu un espace de plus en plus dangereux. Hein, on l'évoquait avec les attaques. Et il devient illusoire de se dire qu'une entreprise peut autoriser ses collaborateurs à aller sur n'importe quel site, avec n'importe quel device, enfin, équipement. Dans un contexte de nomadité, en fait, où le télétravail, voilà, c'est généralisé. Alors, en plus, le télétravail, enfin, les nouveaux comportements, le BIOD, etc., rajoutent des surfaces d'attaque nouvelles. Mais cette
faire confiance par défaut à n'importe quel domaine sur Internet, n'importe quelle URL, est de moins en moins tenable. Donc, la première innovation d'Olfeo, c'est ce qu'on appelle le Zero Trust, c'est-à-dire que par défaut, on va refuser l'accès à des sites qui n'auront pas été préalablement analysés par Olfeo et considérés comme légitimes. Donc, vous, l'innovation, elle est cette notion de par défaut. Exactement. C'est exactement. C'est, voilà, par défaut, on fait confiance à personne. Et donc, on va créer une espèce d'environnement de confiance autour des utilisateurs et leur permettre d'accéder uniquement à cette zone. Alors que d'habitude, sur les solutions de cybersécurité, on est plutôt l'inverse, ouais, non ? D'habitude, la plupart des solutions, hein, que ce soit dans notre domaine du web, ou dans le mail, ou dans le firewall, etc., on laisse passer le flux par défaut et on va essayer d'identifier dans ce flux des menaces pour les bloquer. Nous, on a une posture différente. Par défaut, on laisse rien passer et on accepte que ce qu'on considère comme légitime. Donc, toutes les attaques vraiment éphémères, donc c'est un peu d'attaque, notamment des attaques 0D, c'est-à-dire des attaques qui viennent de se créer, personne ne peut connaître ces menaces. Donc, on va essayer. Nous, on va justement... De fait, comme vous, c'est êtes, inconnu, vous en êtes protégés. Et donc, on les protège. Donc, c'est la seule solution efficace. Deuxième innovation, c'est l'IA, on l'évoquait tout à l'heure. Effectivement, on a une tellement bonne connaissance des menaces existantes qu'on va pouvoir entraîner des modèles pour reconnaître des patterns et donc bloquer des menaces inconnues. En stratégie un peu look-alike, voilà. On va aller si ça ressemble à déjà... D'accord. Voilà, puis on a une troisième innovation qui est dans notre domaine très original, c'est d'associer les collaborateurs à la politique de sécurité avec des fonctions de sensibilisation. 80% des attaques réussies utilisent l'ingénierie sociale, c'est-à-dire la manipulation des collaborateurs. L'attaque au patron, non, c'est, comment ça s'appelle cette fameuse attaque ? L'arnaque au président. Oui, c'est ça. Il y en a plein d'autres. Le phishing. Voilà, les gens sont extrêmement créatifs. Donc c'est très important pour nous de former les collaborateurs de nos clients pour que des comportements beaucoup plus vertueux et tombent moins dans les pièges. Voilà. Et ça, la sensibilisation, la pédagogie, et de développer les bons réflexes, les bons usages. Hein. Voilà, si vous avez des super technologies, mais que les collaborateurs communiquent par téléphone ou par mail des mots de passe, ça ne fait pas grand-chose. La première faille, elle est humaine. Il faut mener les actions ensemble, c'est un truc complémentaire. Alors maintenant, si on rentre sous le prisme Made in France, hein, Thomas, en quoi vous, chez Clineo, vous êtes engagé sur le territoire national ? Tout à fait. Alors, déjà, Clineo, c'est une société française, basée en France. Tous nos collaborateurs sont français. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on travaille avec les compétences des ingénieurs français, qui sont très reconnus dans l'IA, développeurs également français. Et on a toutes nos données qui sont hébergées sur les serveurs en France. Ça, c'est important. Et voilà, qui sont aussi détenus par des Français, donc c'est souverain. C'est très important, notamment pour travailler avec les acteurs publics. On parlait des hôpitaux, etc. Données sensibles. Très sensibles. Et ensuite, c'est vrai que le produit aujourd'hui référence tous les essais cliniques en France. Et il y a vraiment un cercle vertueux qu'on va mettre en place avec, si la plateforme marche bien, plus de patients vont pouvoir trouver des essais cliniques. Si plus de patients trouvent des essais cliniques, l'attractivité de la France pour les essais cliniques en général va s'améliorer. Et donc, il va y avoir de plus en plus d'essais qui vont être lancés en France, au bénéfice toujours des patients qui vont avoir accès aux innovations thérapeutiques. Et puisque la finalité, ça reste quand même... on parlait de consommateurs, là on parle de patients, mais la finalité, c'est quand même... Les patients et qu'ils puissent être potentiellement guéris grâce à ces nouvelles thérapies auxquelles on n'a pas forcément accès aujourd'hui, parce que c'est très, très difficile, même pour des médecins qui sont spécialisés, de savoir où sont ouverts ces essais, quelles sont les nouvelles molécules qui sont en train d'être testées. Donc, c'est vraiment la mission de Clineo là-dessus. C'est difficile. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que c'est parce que justement ça bouge vite ? Ou est-ce que parce que finalement la donnée elle est assez disparate et justement vous avez cette fonction d'agréger, d'avoir ce rôle de curation ? Il y a un peu les deux justement. Il y a de plus en plus d'essais cliniques qui se lancent. Okay. Parce que ce qui est intéressant dans le domaine de la cancérologie, c'est qu'on arrive à caractériser les différents types de cancers beaucoup plus finement qu'avant. Et donc, comme on les caractérise mieux, on essaie de trouver des médicaments qui sont vraiment ciblés sur chaque sous-type de cancer. Et donc, il y a des nouveaux essais qui ouvrent, il y en a de plus en plus chaque année. Donc, la première chose, c'est qu'il y a une multiplication des essais cliniques. Et la deuxième chose, du coup, c'est, puisqu'on a de plus en plus d'infos sur ces essais, c'est vraiment d'arriver à transmettre cette information, arriver à la structurer, comme on disait, et qu'elle soit compréhensible et accessible par le plus grand nombre. Oui. Donc, c'est la deuxième étape, et c'est là-dessus où les algorithmes peuvent aider. Merci beaucoup. Alexandre, vous, du coup, comment ça se traduit, cet ancrage local, national ? Non, mais nous aussi, alors on est une société française, actionnaire français et équipe française. D'ailleurs, on a des talents extraordinaires en France, hein, en R&D bien sûr, mais dans beaucoup de domaines, donc c'est un avantage énorme.
Dans la cyber, évidemment, la notion de souveraineté est aussi très très importante. On travaille beaucoup avec des OIV, un organisme d'importance vitale, ou des sociétés sensibles. Le premier de nos clients est le ministère des Armées, par exemple. Oui, il faut être catégorisé, je crois, secret défense. Ouais, alors, il y a plein d'habilitations particulières, mais les logiciels de sécurité, par principe, vont accéder à des données extrêmement confidentielles. Donc, il faut les protéger. Vous avez aussi l'émergence du SaaS, qui conduit en fait les entreprises à confier des données elles-mêmes très sensibles à des tiers, à des éditeurs qui maintenant vont récupérer les données, alors qu'avant les données étaient dans les data centers physiquement des clients. Là, ils vont accepter de les exporter. Donc évidemment, ça nécessite des règles de sécurité importantes. Exactement. Il faut avoir une confiance énorme dans les éditeurs. Donc c'est vraiment très important. Et puis il y a un autre point important dans Made in France, c'est que il y a un vrai bénéfice client sur la qualité des produits, notamment en matière de défense, puisque on connaît particulièrement bien les habitudes, enfin les comportements des utilisateurs français sur Internet. On connaît particulièrement bien les attaques subies par les entreprises françaises, que les hackers soient français ou étrangers d'ailleurs. Donc ça nous permet de mieux défendre nos clients. C'est vrai qu'on est dans un environnement concurrentiel avec essentiellement des produits américains à vocation mondiale. Le fait d'avoir, nous, un zoom sur la France et maintenant sur l'Europe... Une bonne connaissance et une veille active... Ça permet d'avoir une protection de meilleure qualité. Oui. Alors, même question que j'ai posée tout à l'heure à Jérôme et Stéphania, c'est est-ce que vous avez eu du soutien financier, humain, dans votre aventure entrepreneuriale ? Oui, tout à fait. Alors, sur le soutien humain, on a eu la chance de faire partie de plusieurs incubateurs ou d'accompagnement. On était à Paris Santé Campus, à Paris Enco Santé, donc dans le domaine de la santé, ce qui était très important pour nous parce qu'il y avait tout l'écosystème aussi de la santé qui était présent là-bas. Ça aide d'avoir des soutiens un peu verticaux, justement, estampillés santé. Exactement, ça aide beaucoup parce que on voit que tout le monde a un petit peu le même objectif, tout le monde travaille dans le même sens. Et c'est très utile pour nous, ça permet d'accélérer les choses, d'avoir des contacts directement avec différents types d'acteurs, que ce soit public ou même privé. Et donc, c'était très important, notamment à Paris Santé Campus, où il y a un gros travail sur l'écosystème qui est présent pour que les startups puissent en bénéficier. Et ensuite, sur le côté... On retrouve la notion de réseau aussi. Ah, tout à fait. Ouais. Et enfin, sur le côté financier, on a évidemment la BPI qui, depuis le début, nous a aidés. Avec les différents dispositifs de subventions, de prêts qu'elle offre. Et ensuite, on a pu faire aussi un prêt d'honneur, par exemple, avec Wilco, donc, qui nous a permis de nous lancer également. Donc, on a la chance, en France, d'être quand même très bien accompagné à la fois sur le côté humain et sur le côté financier également, quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale. Il y a aussi cette notion-là de ce soutien de crédit impôt recherche qu'a évoqué tout à l'heure Carole. Oui. Et donc, on est en train de travailler avec Carole, en plus, sur justement ce crédit impôt recherche, parce que comme on disait, avec toute la R&D qu'on est en train de construire, encore une fois, un dispositif qui va pouvoir nous être très utile pour accélérer, pour pouvoir recruter aussi. Et donc, on a hâte de travailler encore avec Oui, parce qu'on sait que cette bataille de l'IA, elle va se gagner via aussi les moyens humains, financiers, que ça soit au niveau des entreprises, des startups ou quoi, mais c'est aussi les entreprises, même en termes d'humains, ceux qui s'y intéressent ou pas, qui vont avoir à cœur d'investir dans ces différents chantiers-là et ça demande des ressources. Merci beaucoup Alexandre. Des soutiens du coup dans votre aventure entrepreneuriale ? Oui, tout à fait. Alors, on le fait à 20 ans, donc on a eu beaucoup, beaucoup de soutiens, différents dans leur nature selon... le stade de développement d'entreprise. Donc, effectivement, on a démarré avec dans un incubateur de la ville de Paris. On a été lauréat de Paris Entreprendre. On a eu beaucoup de soutien. Alors, en fait, on a des soutiens financiers d'une part, et puis aussi des soutiens de reconnaissance. Donc, les reconnaissances et des labels. Donc, on a le label utilisé par les armées françaises, le label France Cybersécurité. On a été champion du pôle systématique. On a été le trophée innovation du Syntec, maintenant Numéum. Donc ça nous donne de la visibilité, de la confiance. De la légitimité aussi, non ? Tout à fait, beaucoup de légitimité. Et puis on a aussi eu beaucoup de soutien financier, soit sous forme de prêts d'honneur, aussi de subventions. Alors là, dans la cybersécurité, il y a pas mal de programmes d'État pour nous aider, donc on en a aussi beaucoup profité. Et on continue d'ailleurs. Et ça a été fondamental dans le développement, hein, puisque on est 55, donc on reste une société à taille très humaine. Et c'est vrai que financer des efforts de R&D, parfois, c'est un peu lourd.
Et vraiment, ce soutien a été fondamental. Alors, c'est vrai qu'on parlait du CIR. Le CIR, c'est très, très important parce que c'est un, contrairement aux subventions, c'est un soutien qui est continu. D'accord. Donc, tous les ans, une partie de notre R&D peut être prise en charge. Donc, c'est extrêmement confortable. Tous les ans, on peut refaire la demande. Oui, tout à fait. Alors que les subventions, bah, vous les avez pas, donc ça peut varier. Donc c'est toujours bienvenu, mais vous êtes, c'est pas du tout. C'est garantie. Plus ponctuel. Alors que le CIR, si vous êtes toujours dans une logique d'investissement R&D, ça fait un complément important. Voilà, et si bien qu'au fait, savoir qu'aujourd'hui, un ingénieur R&D en France, le coût des charges sociales est quasi nul. Hein, il est contrebalancé par le CIR. D'accord. Donc Alors, je sais qu'on est connu pour avoir des charges sociales très importantes, mais c'est pas le cas pour la R&D. Alors, parfois, c'est une invitation à innover, de la R&D, l'État soutient. Carole, vous achetez, est-ce que vous abondez? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, sur ce CIR, ce crédit impôt recherche? Oui, tout à fait. Alors, ça a été très, très bien expliqué déjà. C'est bien, par Alexandre. Parfait, je n'ai plus rien à faire. Non. Non, mais c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où on entreprend, on a un projet qu'on est en train de développer, on peut avoir droit soit au crédit impôt recherche, soit au crédit impôt innovation. En fait, c'est deux dispositifs. Au départ, c'est le crédit impôt recherche qui a été mis en place donc par le gouvernement français. Et puis après, il a étendu ce dispositif avec le crédit impôt innovation. Donc, en gros, il faut juste retenir que si on est en train de développer quelque chose, il y a des critères justement qui ont été définis après donc dans la loi. Hein, et on peut potentiellement aller vers l'un ou l'autre des dispositifs. Donc, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre parce qu'en effet, les critères sont différents. C'est différents types d'activités du coup qui sont éligibles et qui vont pouvoir être valorisées. À partir de là, du coup, on va déclarer des dépenses. Et donc là, Alexandre l'a très bien expliqué, ça permet en effet après de quelque part savoir que chaque année, si on investit, si on a des dépenses de R&D ou d'innovation, eh bien du coup, on va pouvoir récupérer une certaine somme sous forme de crédit d'impôt. Ou si on est une PME, une start-up, souvent on va avoir le droit à ce qu'on appelle la restitution immédiate, c'est-à-dire qu'on peut récupérer du coup la créance sous forme de cash, donc de trésorerie, assez rapidement. Ah oui, donc ça c'est vraiment intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant, il faut mobiliser bien sûr ces dispositifs-là, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis, l'administration fiscale, hein, elle s'est dimensionnée aussi pour faire des contrôles, pour regarder, puisque c'est un système qui est déclaratif, que ce qui est déclaré correspond bien à ce qui est réellement effectué. Et donc, il faut du coup justifier de ces dépenses-là au travers d'un dossier donc qui doit répondre à un certain formalisme un peu complexe, pareil, très administratif. Et c'est là qu'en effet… C'est là que vous intervenez. Voilà. C'est nous qui rédigeons ce dossier, c'est nous qui du coup le présentons du mieux possible pour pouvoir défendre justement les travaux qui ont été réalisés par les entreprises. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important de se faire bien accompagner. Déjà, bien sûr, pour être sûr qu'on valorise toutes les dépenses, tout ce qu'on peut bien sûr mettre dans cette… On parle d'humains, d'outils, quand on parle de dépenses. On parle de beaucoup de choses. Si aussi on a fait appel à un sous-traitant qui est agréé pour certaines activités. D'accord. Voilà, on parle vraiment de tout un tas de dépenses qui rentrent dans le cadre. Et auxquelles on ne pense pas forcément aussi. Exactement. Pareil, c'est là où on est là pour au départ balayer ces dépenses-là, bien regarder pour que justement on puisse valoriser tout ce qu'il est possible de mettre donc dans la fameuse assiette des dépenses. Et à partir de là, on va avoir du coup 30%, puisque l'État français est quand même assez généreux par rapport à d'autres pays dans le monde, des dépenses donc qui vont être retenues donc sous forme de crédit d'impôt ou de cash, potentiellement de cash pour les entreprises. D'accord, et ça, on sait quand même, la trésorerie, c'est quand même le nerf de la guerre de tous les entrepreneurs. Oui. Je pense que tout le monde doit acquiescer devant son écran, c'est sûr. Merci beaucoup, Carole, c'est très clair. En tout cas, voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas ou à me contacter ou à contacter Eming on rebasculera. Mais c'est important, on l'a dit, de se faire accompagner. Et là, sur ce volet-là, typiquement, Eming, je pense que c'est important d'avoir un partenaire comme ça à ses côtés. Et puis surtout, s'il y a un sujet de trésorerie derrière, moi, je ne peux que valider. Alors, une dernière question, c'est finalement, vous aussi, en quoi votre entreprise, vous avez le sentiment qu'elle a un impact, qu'elle a un rôle auprès bien des patients ou vous des entreprises, Alexandre, mais voilà, comment vous avez, vous, l'impression de faire votre part aujourd'hui de votre rôle sociétal? Alors, comme je disais au tout début, c'est vrai que la mission de Clinéo, c'est de permettre à ses patients d'avoir accès à ces innovations thérapeutiques. Et c'est vrai que d'avoir cette mission-là, déjà personnellement, ça donne un sens à son travail aussi, et c'est très gratifiant quand on a un témoignage de patient qui nous dit « j'ai réussi à trouver un essai grâce à vous » et donc d'avoir accès à cette innovation. Même pour l'équipe ensuite, c'est aussi très agréable d'avoir une équipe qui se fédère autour d'un projet justement qui a un impact. Et donc, c'est vrai qu'on n'est jamais aussi content dans l'équipe quand on a ces retours d'expérience. Tangibles de patient, oui. Exactement. Donc, est-ce qu'on fait notre part? On peut toujours faire plus, et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Mais vous avez des projets, non? Peut-être d'étendre ou... Exactement, donc on va étendre à la fois sur donc, les
différents types de cancers, mais aussi peut-être à d'autres aires thérapeutiques, mais également aussi dans d'autres pays. Donc on a voilà, plein de projets. Et on verra ça donc dans les années à venir. Peut-être parler avec Alexandre sur les protections spécifiques sur chaque pays, les consentements, etc. Je sais que ça joue beaucoup. Mais en tout cas, des projets en tout cas d'étendre et de démocratiser encore plus cette notion d'essai clinique, malheureusement à d'autres maladies, mais voilà, en tout cas de leur faciliter l'accès. Exactement. Et l'endométriose en fait partie. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un sujet, je trouve, qui touche de plus en plus, malheureusement, de femmes qu'on n'entendait pas du tout. Et aujourd'hui, moi, je sais que dans mon entourage, voilà, c'est vraiment quelque chose, malheureusement, de commun, quoi. Mais en fait, si je puis me permettre, c'est aussi parce que maintenant, on le diagnostique. Oui. Alors qu'avant, on ne savait pas que c'était l'endométriose. C'est vrai. Ça, c'est hyper important, ouais. Ouais. Bon, voilà, en tout cas, un clin d'œil à toutes ces femmes pour qui, voilà, le quotidien est vraiment pas facile. On pense à vous, cœur sur vous. Voilà, ça, c'était mon petit message. Ouais, mais c'est vrai, j'en ai tellement autour de moi, ça me touche. Voilà, c'est ma petite minute un peu, pour celle à qui je pense. Bref, voilà. Alexandre, du coup, quels sont vos projets, justement, aussi, pour le futur et votre engagement? Alors. Le rôle sociétal d'Olfeo, c'est de rendre Internet plus sûr. Donc ça, c'est un très très beau rôle. Alors pour les entreprises, bien évidemment, mais derrière les entreprises, il y a des hommes et des femmes. Donc c'est protéger ces hommes et ces femmes dans leur mission, typiquement dans le domaine de la santé. Hein, pour reprendre le cas des hôpitaux. Protéger un hôpital, c'est assurer sa continuité de service, donc c'est lui permettre de continuer à faire des opérations, à traiter les patients. Donc je trouve que c'est un très, 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 très beau rôle. Et puis c'est aussi améliorer le comportement cyber des individus, des personnes, puisque souvent on va transmettre de la connaissance pour un usage aussi domestique, particulier. Oui, et puis peut-être pas les mettre en porte-à-faux, parce que c'est vrai que vous cliquez sur un lien, vous vous mettez globalement en danger votre entreprise, parce que vous donnez accès, en fonction de votre niveau d'accès au niveau aux données d'entreprise, vous pouvez vous en vouloir, donc ouais, tout à fait. C'est important aussi. Former, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait moins d'attaques réussies, et puis c'est aussi abaisser leur niveau de stress vis-à-vis de ça. Et puis tout l'usage domestique, puisqu'il y a aussi beaucoup d'arnaques sur les particuliers, quand on forme des gens, on les forme aussi sur leur comportement en tant que particulier. Donc ça, c'est un très beau, très belle mission d'Olfeo, et les gens chez nous, ils sont très sensibilisés, donc c'est aussi un vecteur de cohésion de l'équipe, parce que c'est une très belle mission. Alors après, vous me parlez de mes projets, alors on a plein de projets sur les produits, etc., mais je vais peut-être pas aborder ça. On a un projet d'export, puisque maintenant on est très fort en France, on a 1000, on protège 1000 entreprises, administrations, hein, donc c'est quand même beaucoup, c'est des millions d'utilisateurs derrière ces entreprises. Et justement, maintenant qu'on a acquis une très bonne expertise sur les territoires français, on va pouvoir exporter cette technologie française, ce savoir-faire, dans un premier temps en Europe. Donc c'est un des projets forts des mois et années à venir pour Olfeo. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Carole, un mot de fin avant qu'on prenne une ou deux questions. Avec plaisir, j'ai trouvé que c'était vraiment inspirant, tous ces parcours d'entrepreneurs, ces projets qui nous ont été présentés aujourd'hui. On voit, hein, je trouve que pareil, c'est une tendance, que c'est important du coup pour les personnes qui ont envie de porter leur projet, d'avoir un impact positif en fait sur le monde, pour notre futur, le monde de demain, de contribuer au bien commun pour la société. Donc peut-être c'est utopiste, mais peut-être un message d'espoir. Non, moi j'y crois vraiment, cette notion d'être entrepreneur de sa vie. C'est, on le voit, hein, c'est un business, mais c'est surtout une posture, un engagement plus qu'humain. Et là, je vois tout le monde qui acquiesce, et j'espère que vous aussi, derrière votre écran, on est tous d'accord pour le dire. Oui, tout à fait. Et donc, le petit conseil plus technique, c'est vrai que c'est important de se faire bien accompagner quand on est en recherche, quand on veut demander des financements. Ça va faciliter les choses pour la suite. Vous voyez, ce conseil, c'est entourez-vous. Vous vous lancez, que vous soyez auto-entrepreneur, PME, TPE, enfin… Entourez-vous, quoi. Parlez-en autour de vous, vos amis, allez chercher des gens qui innovent aussi, qui sont dans le même secteur que vous, on l'a vu avec la santé. Allez trouver des experts, que ça soit un bon comptable, ça c'est hyper important aussi, mais des bons partenaires financiers. On l'a vu avec Jérôme aussi tout à l'heure sur la production. Moi aussi aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par les années folles, parce que vous voyez, cette super belle qualité d'image toute seule, je ne saurais pas le faire. Il faut être honnête. En tout cas, voilà,
entourez-vous. C'est peut-être vraiment un des conseils aussi qu'on vous donnera aujourd'hui. Alors, j'ai une petite question là qui est arrivée, là qui a sarment dans le chat. Je suis désolée, il y a un petit décalage sur les questions. C'est pour Carole. Peut-on cumuler des aides publiques avec des crédits d'impôt? Oui, tout à fait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a des aides publiques, donc souvent de type subvention, elles vont venir en déduction des potentiels crédits d'impôt. Donc simplement, et c'est normal, l'État n'est pas fou. C'est capé quand même. Quand il donne un peu d'un côté, il vérifie qu'on puisse pas doublement valoriser. Oui. Donc évidemment, ça va venir réduire potentiellement l'assiette de crédit d'impôt, mais c'est quand même intéressant de regarder. Et oui, donc on peut déclarer les deux. On peut avoir les deux, bénéficier d'un ensemble de dispositifs assez élargi, oui. Eh bien, merci beaucoup, Carole. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si vous en avez, vous n'hésitez pas à me les envoyer ou en commentaire, en message privé. L'aventure continue après. Hein, on reste des entrepreneurs dans l'âme. Merci en tout cas à tous les cinq d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à vous derrière votre écran de m'avoir suivi également. J'en profite pour vous annoncer la date du prochain live. Ça sera le jeudi 6 juin à la même heure. Jeudi 6 juin. Et je vous fais une vidéo très bientôt pour vous annoncer le thème pour que vous puissiez postuler et venir me rejoindre ici en plateau avec moi pour un autre beau moment d'une heure ensemble. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Au revoir.